Eh bien déjà, bienvenue à bord de la Ferrari F430. Mon prénom, moi, c'est Aurélien. On fait combien de tours ensemble alors? Ouais. On fait combien de tours? Trois. Trois tours? Ouais. D'accord, ça marche. Donc trois tours ensemble. Ton prénom, c'est? Serge. Serge, ok Serge. Petite particularité ici, on a des palettes pour passer les rapports. Ouais. Tu sais comment ça marche? Ouais, ouais. Palette de droite, ouais, ça monte. Ouais, c'est pas full automatique comme les autres. C'est avec des palettes. Ouais. Ok, ça roule? Ouais. Pour passer la première qui va être indiquée ici, je te laisse appuyer sur le frein, tu appuies sur la palette de droite simplement. Ouais. Et du coup, on vient de passer la première. Ok. Ça marche? Ouais. Je baisse le frein à main, tu accélères progressivement et on va se décaler pour s'élancer. La deuxième, voilà, accélère pas trop. Lâche l'accélérateur, lâche. Ouais. Toi, il faut accélérer tout doucement, d'accord? Ouais. Parce que là, tu as accéléré beaucoup trop fort. Ouais. Donc, il faut vraiment être très doux avec l'accélérateur. Donc, la troisième. Ici, la chaussée est grasse. C'est vraiment très. On regarde bien sur la gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ligne droite? Non. Voilà, on peut rentrer. Ouais. Donc, ici, ce que tu dois faire, c'est vraiment suivre au maximum les cônes. Ouais. Voilà, donc, il faut regarder loin pour voir où sont les cônes. Bien anticiper. Voilà. Ici, on n'accélère pas, on maintient un filet de gaz. Alors, un filet de gaz, c'est une petite accélération qui va te permettre de maintenir ta vitesse. Des bras, c'est-à-dire que tu mets tes roues droites et quand tes roues sont droites, on accélère progressivement. Là, c'est progressivement. La 4, palette de droite. On reste accéléré. Double cône, freinage. Freinage. La 3, palette de gauche. Et on monte bien jusqu'au cône avant de tourner le volant. Et on plonge à l'intérieur. Ici, on reprend une accélération légère. On reste en 3, bien sur la droite. Léger frein. Et on plonge bien dans derrière le côté. Voilà, dans le côté devant. Filet de gaz. Accélère un petit peu. On reste en troisième. Tu freines et tu restes bien à l'extérieur dans le virage. Garde pied sur le frein. Et on plonge à l'intérieur maintenant. On commence à remettre les roues droites. Et t'accélères progressivement. La 4. On reste accéléré en 4. Le virage, on va le passer en 4. Freinage. Filet de gaz et on rejoint l'intérieur du virage. Et t'accélères progressivement. Freinage et on repasse la 3. Garde le pied sur le frein parce qu'on va rentrer trop vite dans le virage. Regarde bien sur le prochain côté. Remets les roues droites progressivement. T'accélères progressivement. La 4. La 5. Les deux mains sur le volant. On freine. Allez, frein. La 4e. Alors, il faut appuyer une seule fois, tu vois. Parce que si on appuie plusieurs fois, il y a plusieurs rapports qui passent. On accélère un petit peu. Frein. Voilà. On soulage gentiment le frein. Garde le frein quand même. Et on passe la troisième. On regarde assez haut. Le prochain cône, là-haut. Voilà. Maintenant, tu as ton cône à gauche. Accélère pas trop. Parce que sinon, on va se faire vraiment embarquer. En plus, tu as vu, la route, elle est en dévers ici. On se place bien sur la droite. Et on plonge à l'intérieur. Progressivement les roues droites et on accélère progressivement. Voilà. La 4, la 5, freinage fort, la 3, la 4, la 3, voilà. Garde le pied sur le frein. Donc au niveau freinage, tu sois un petit peu plus mordant. Ouais, encore plus fort. Encore plus fort. Ok. On ne sait pas ce qu'on fait au quotidien. Freinage, non, on peut rester en troisième. Filet de gaz. Accélère un petit peu, déplace-toi bien sur la droite. Voilà. Freinage. Garde le pied sur le frein, regarde le cône qui est là-haut. Regarde le cône à l'intérieur. Regarde le cône fort d'abord. Voilà. On commence à remettre les roues droites et on accélère progressivement. La 4, voilà. On reste en quatrième. Frein, filet de gaz et on tourne le volant. Allez, accélère progressivement. Encore. Freinage, allez fort sur les freins. Voilà, c'est mieux. Troisième, il faut bien appuyer. Commence à mettre les roues droites et t'accélères progressivement. La 4, la 5, frein, la 4e, on reste en 4, le filet de gaz. On accélère progressivement. Freinage. La 3, regarde là-haut, regarde bien ton frein,
et on monte vers le côté, on monte vers le côté avant, sans rien accélérer. Décale-toi bien vers la droite et regarde à gauche, regarde ton virage. Attention avant d'accélérer, bien avoir les roues droites. La 4, la 5, freinage fort, 4ème, 3ème, garde le pied sur le frein et regarde le virage. Bon, ça va mieux là. Je sens plus à l'aise. Accélère un petit peu. On reste en 3, freinage. Et on plonge bien derrière le cône. Garde ton filet de gaz. Accélère un petit peu. Frein. On reste bien sur l'extérieur. Et on plonge à l'intérieur. Tu commences à braquer un peu. Voilà, impeccable. On commence à débraquer. Maintenant, on va accélérer d'avoir les roues droites. Accélère, la 4. Freinage, filet de gaz et on rentre dans le virage. Garde bien le filet de gaz. Voilà, et on se place à droite. Freinage fort, la 3ème. Et c'était ton dernier tour, Serge. Garde bien le frein. C'était le dernier tour. Donc on va sortir à droite. Et on va aller se stationner derrière la Ferrari qui est là-bas. Tu ralentis, la 3ème. Ralentis encore, ralentis, ralentis, freine. Freine plus fort que ça. Voilà. Parce que là, on rentre dans les stands, il y a des piétons des fois, et on se met derrière la Ferrari. Donc on va pas se stationner trop près pour laisser de la place pour repartir. Ouais. Tu t'arrêtes. Impeccable. Voilà. Donc tu appuies sur les deux palettes en même temps,